était une fois, ceci commence mon histoire, ma presque véritable histoire des trois petits cochons. Dans mon histoire, il y a Naf-Naf, le cochon le plus intelligent. Il construit sa maison en briques. Il y a Nouf-Nouf, le petit cochon bricoleur. Il construit sa maison en bois. Et enfin, il y a Nif-Nif, le petit cochon insouciant. Il construit sa maison en paille. Dans mon histoire, il y a aussi le fort, l'effrayant grand méchant loup. Il vit dans la forêt. Voici la maison de Naf-Naf, faite de briques et solide comme un roc. Elle est vide. Mais Naf-Naf, qui est allé faire des courses, rentre chez lui. Le loup qui avait faim se dit « Comme ils doivent être tendres, je vais aller chez Nif-Nif. Avec sa maison de paille, ce sera facile de l'attraper. » Le loup frappe à la porte. Mais Nif-Nif n'ouvre pas. Alors le loup dit « Je vais souffler et ta maison s'envolera !» Et la maison de paille s'envole. Nif-Nif court se réfugier dans la forêt. Le loup avait toujours très faim. Alors il se dit « Je vais aller chez Nouf-Nouf. Avec sa maison de bois, ce sera facile de l'attraper. » Le loup frappe à la porte, mais Nouf-Nouf n'ouvre pas. Alors le loup dit « Je vais souffler et ta maison s'envolera !» Le loup se gonfle les joues, souffle, souffle de toutes ses forces et la maison de bois s'envole. Nouf-Nouf court se réfugier dans la forêt. Le loup court alors après les deux petits cochons. Tout allait tellement vite que plus personne ne savait qui était qui et qui était où. Et le grand méchant loup, où était-il passé ? Était-il ici ? Était-il par là ? Ou peut-être ici ? Regardons ensemble. Ici, c'est Nif-Nif. Et là, c'est Nouf-Nouf. Donc ici, c'est Naf-Naf ? Mais si Naf-Naf est ici, qui donc est dans la maison ? Mais c'est ce chenapan de grand méchant loup ! Il a voulu entrer par la cheminée et est tombé dans la grande cuve bouillante que Naf-Naf avait préparée. C'était la presque véritable histoire des trois petits cochons, revue par le magicien.